السلام عليكم الزلفلاون بونجور. لا فامي دو عبد الله خالف دو سون نون دو غير قصدي مرباح ا كوميموري hier presque dans l'intimité le 22e anniversaire de son assassinat, de l'assassinat de قصدي مرباح. Presque dans l'intimité, disais-je, hormis quelques fidèles, parce que le pouvoir ne considère pas qu'il faille rendre un quelconque hommage à celui qui a pourtant exercé des fonctions d'une particulière importance en son sein, et dont il ne fait pas de doute aujourd'hui qu'il a été assassiné par le même régime qui avait pris le pouvoir à la faveur d'un certain coup d'État, un certain janvier 92. Mais pire que ce mépris du pouvoir, tout à fait compréhensible après tout, et son absence est même souhaitable pour la famille du défunt, parce qu'il n'y a pire injure que celle de l'assassin quand il fait semblant de rendre hommage à celui qu'il a lui-même fait assassiner. Pire que ce mépris, pire, encore pire que ce mépris du pouvoir, et pourtant cette cuisante indifférence des Algériens qui non seulement ne rendent plus hommage à ceux qui ont été assassinés par le régime, mais qui en plus prennent argent comptant toutes les atrocités qui se disent sur eux, sur ces victimes. Je ne suis pas l'avocat de قصدي مرباح, ni celui de sa famille. Je préfère laisser l'histoire juger de ce qu'il fut, de ce qu'il fit, de nous dire quel homme il a été et quel a été son rôle depuis le déclenchement de la Révolution jusqu'à celle qui a jusqu'à cette date fatidique qui a consacré la mainmise sur le pouvoir actuel. Mais ce que je peux dire, sans craindre d'altérer la vérité, ni d'être injuste, est que si cet homme avait accepté de marcher dans les combines des putschistes, il serait peut-être encore de ce monde. S'il avait accepté de taire leurs crimes, de ne pas les dénoncer, et de se joindre à eux, il aurait peut-être été placé aux plus hautes fonctions de l'État. Mais cette émission que nous consacrons à l'assassinat de قصدي مرباح traitera aussi de ce lent glissement vers l'oubli sous les couches épaisses des cendres qui ont suivi le sinistre. Le régime qui a pris le pouvoir, dont les barons sont en train de partir, les uns après les autres, sans rendre compte de mourir de leur belle mort dans la quiétude des jours, baignant dans l'opulence, a réussi à imposer une amnistie qui ne dit pas son nom, à faire taire toute velléité d'aller vers la vérité, vers ce qui s'est vraiment passé, pour tenter de mettre des noms sur des crimes, sur des commanditaires, sur des complices. Et le malheur est que la société algérienne, ses médias, son intelligentsia, ces politiciens honnêtes, ceux qui s'érigent en conscience de la nation parfois, sont aux abonnés absents. Plus rien ne fait réagir, plus rien n'interpelle, plus rien ne choque. Que nous le voulions ou non, force est de reconnaître que si tant est qu'il ne brille que par une seule capacité, alors ce régime aura réussi la gageure d'anesthésier la conscience de tout un peuple, de la façon la plus profonde qui soit. Aujourd'hui, liberté. Tout en exigeant la réouverture de l'enquête sur son assassinat, la famille de قصدي مرباح appelle à l'audition du président Zerwel. Par L.H. Jeune Afrique. 21 août 1993, assassinat de l'ancien premier ministre algérien قصدي مرباح. Par Farid Aliyev. Le matin, Algérie. Assassinat de قصدي مرباح, sa famille exige une enquête sérieuse. Par Yassine K. Avec nous aujourd'hui, pour en parler, et par ordre alphabétique, Abdelmajid Aïd Saadi, ancien cadre, Yahya Bonouar, journaliste, Abdelrazak Laibi, militant des droits de l'homme et neveu
de Abdallah Khalif dit Qasdi Marbah. Mais avant de recevoir nos invités, nous allons regarder quelques images dans lesquelles vous verrez un de nos invités d'aujourd'hui, Abdelrazak Laibi, interpellé violemment, pour le moins qu'on puisse dire, une personnalité qui a joué un rôle très trouble dans ces années de sang. Regardez. Je corrige une petite information. Dans le soundbite que vous allez voir deux citoyens algériens, deux jeunes. Le premier est Abdou Benjoudi qui interpelle le général Nazar. Et le deuxième, et avec lui, il y avait à ses côtés Abdelrazak Laibi qui l'interpelle en même temps que lui. Et dans la deuxième série d'images, vous allez voir Abdelrazak Laibi qui va interpeller un autre personnage que vous allez découvrir maintenant. Il semble qu'il y ait un souci. Nous allons vous passer les images dans un petit instant. Abdelrazak Laibi, merci d'être avec nous. Abdelrazak, je ne vous entends pas, Abdelrazak Laibi. Ah, ah voilà, voilà, on vous entend. Abdelrazak Laibi, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, on n'a pas préparé les images que nous allons passer, où nous allons vous voir en train d'interpeller un certain personnage. Nous allons laisser, nous n'allons rien dire maintenant pour faire découvrir à nos téléspectateurs. Nous y reviendrons dans un petit instant. Mais sinon, comment s'est passée la commémoration de la 22e année après l'assassinat de votre oncle, Qasdi Marbah? Elle s'est passée normalement, comme d'habitude chaque année. Il y avait les intimes, la famille, les amis, mais comme chaque année. Nous nous retrouvons pour commémorer ce terrible et lâche assassinat. Mais Abdelrazak, bien que je sais, moi je vous connais personnellement, on échange souvent par voie privée, par téléphone, on est des amis pour tout dire. Je connais vos sentiments, je connais vos positions. Je sais que vous ne souhaitez vraiment pas la présence du régime lors d'une telle commémoration, vous n'en voulez pas. Mais ça ne vous choque pas quand même qu'ils ne viennent pas? Oh, ils ont peur de venir. Oui. Ils ont peur de venir. Ils ont la trouille. Parce qu'ils ont peur que vous les démasquiez, que vous... Non, pas du tout, pas du tout. Ils ont peur des représailles du pouvoir. Ah. Moi, je ne peux absolument rien leur faire, monsieur Benchenouf. Ah, d'accord. Ils ont peur des représailles des pouvoirs, du pouvoir. Ça veut dire que si quelqu'un pointe le bout de son nez, il risque des ennuis. Eh bien oui, il suffit de voir monsieur Sidi Ahmed Orzali qui était venu l'année dernière. Oui, alors ? Il n'était jamais venu auparavant. Et l'année dernière, quand il est venu, il n'a pas eu de problème après? Pas du tout. Oui. Pas du tout. Mais sinon, Abdelrazak, vous savez, les Algériens ont besoin que les gens leur disent les choses comme elles sont, avec des noms, avec des faits. Oui. Ça veut dire qu'on ne reste pas évasif. Qui, d'après vous, est en train de tenir le côté du manche dans cette affaire, de menacer les gens, d'empêcher l'enquête de se faire, la vérité d'éclater? Ah, ce sont les gens qui sont derrière l'assassinat. Et qui sont ces gens? Ah ben, il suffit de voir, de lire les témoignages des officiers de l'armée qui ont parlé.
Et vous, pourquoi vous n'en parlez pas maintenant? Vous avez peur de diffamation, d'être poursuivi? Non, pas du tout. Je n'ai pas peur de le dire. Oui. Et des voix se sont élevées et ont accusé formellement le général Smaïn Al-Amari et le général Tartag, alias Béchir Sahraoui, alias Tartag. Qui aurait été dans l'opérationnel de l'assassinat. Eh bien oui. Et un certain Qassi Abdallah aussi, un ancien des services qui a été assassiné un an jour pour jour après Merbah. Oui. Il a été assassiné parce que Madame Merbah a déposé plainte contre lui. Et au moment où il devait être convoqué par la justice, ils l'ont liquidé chez lui. Mais Abdelrazak, est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce qu'il n'y aura pas d'enquête? Est-ce que les Algériens vont se réveiller un jour pour exiger que la vérité soit faite? Espérons. Vous le dites d'une façon très amère. Bon, vous savez, quand on se retrouve, pour commémorer l'assassinat du président Bourdieff, quand on se retrouve à 20 ou 30 personnes... Mais justement, Abdelrazak, justement, puisque vous évoquez cet aspect des choses, et pour parler vrai, les Algériens ne réagissent plus, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon édito, comme vous dites, l'assassinat du président Bourdieff, qui a pourtant fait bouger des centaines de milliers de gens, des gens qui se disent vraiment c'est le papa de la nation, c'est celui qui voulait sauver le pays. Et aujourd'hui, c'est le désintérêt total. Qassi Merbah, pareil. 200 000 morts, pareil. 30 000 Absolument. Disparus, pareil. Même pour Krim Belkacem. J'y vais chaque année, il n'y a pas grand monde. Et comment vous expliquez ce désintérêt? Nous poserons aussi la question à Hajj Abdelmajid tout à l'heure. Comment vous expliquez ce désintérêt, cette indifférence? Je pense que les gens sont fatigués. Et je vais vous dire une chose aussi. Si Merbah, Allah yarhamou, quelques jours avant son assassinat, nous avait dit qu'il avait peur que ce peuple soit gagné par la lassitude. Et je pense que nous y sommes vraiment. Oui. Abdelrazak, restez avec nous, je reviens à vous dans un instant. Hajj Abdelmajid Aït Saadi, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Hajj, en ces moments de disette, en ces moments d'indifférence, en ces moments de démobilisation, vous êtes... moi, je vous suis de très près, je m'honore d'être un de vos amis. Je vous suis, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sur tous les fronts, vous activez, vous interférez, vous agissez. Qu'est-ce que vous pensez de cette indifférence de nos compatriotes pour tout ce qui les concerne? Que voulez-vous que je vous dise? Je ne peux être que désolé pour notre peuple. Pourtant, c'est le peuple qui a succédé à ceux qui ont fait la révolution exemplaire pour le monde qui était colonisé. Oui. Alger était dans le temps la Mecque des révolutionnaires. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes devenus, hélas, un peuple de moutons. Mais au-delà du constat, Silhaj, oui. Comment expliquez-vous ce glissement vers les cendres de l'oubli? Non, en fait, nous avons été marqués par la décennie rouge. Et cette décennie rouge a toujours des séquelles. Et lorsqu'on a vu, par exemple, ce qu'on appelle les printemps arabes, mais en fait, les printemps sionistes, ou tout ce que vous voulez, j'ai bien l'impression que notre peuple a peur, une nouvelle fois, de se tromper ou bien de glisser vers l'irréparable. Ce que je vois dans les pays arabes me désole totalement.
On ne sait plus faire la différence entre le frère, le cousin, les intérêts de la nation. Tout cela, on l'a oublié. Mais l'intelligentsia dans notre pays, ou supposée intelligentsia, qui est totalement absente. Aujourd'hui, l'université algérienne ne joue plus aucun rôle social, rien. Quand je vois le classement de Shanghai, je suis vraiment désolé pour le classement des universités algériennes. Même au niveau africain, la meilleure université se trouve 23e. Et encore. Vraiment, notre intelligentsia, on l'a poussée à émigrer. Oui, oui. Et lorsqu'elle est à l'intérieur, Khadra Talba Aisha. Chicha Talba Aisha, oui. Voilà. La seule chose qui les intéresse, c'est boucler les fins de mois et bien être bien vu. À propos de l'assassinat de Qasdi Merbah, Rabbi Rahmou, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Allah Rahmou, moi, ce que je peux dire simplement, c'est que c'est une perte, effectivement, pour la nation. Nous aurions pu, s'il n'avait pas été éliminé, économiser presque 8 ans de guerre. Oui. Il était venu me voir en 93. Donc, lui, je crois qu'il a été assassiné le 21 août 93. Oui. Donc, 10 jours, il était venu me voir à Paris. Enfin, il venait de temps en temps. Il passait, chaque fois qu'il avait l'occasion de me voir, il passait. Et cette fois-là, il m'a appelé en me demandant d'être présent à mon bureau un certain samedi. J'avais un bureau d'ingénieur conseil. Il était vraiment inquiet. Donc, je lui ai proposé une autre date ou bien qu'on se voit. Non, il me dit, il faut qu'on se voit dans ton bureau. Je l'ai attendu. Et effectivement, donc, il est venu accompagné d'une autre personne qui venait l'accompagner assez régulièrement quand il venait me voir. Et là, donc, on a commencé à discuter, puis il avait avec lui son fils. Puis il m'a dit, Assez Abdelmajid, est-ce que vous pouvez le prendre chez vous et lui donner une formation de management sur des projets, etc. Et éventuellement, constituer avec lui une société commerciale, le former. Et je lui ai dit, il n'y a absolument aucun problème. Donc, après cela, donc, on s'est fixé un autre rendez-vous donc, pour le soir même. Et là, en tête à tête, nous avons parlé donc, de la situation en Algérie. Et il avait mis en cause un certain nombre de personnes qu'il appelait lui « Hizb França », tout court. Il faisait référence en fait au DAF, aux gens qui sont venus applaudir l'indépendance, qui ont combattu la révolution, puis qu'un certain De Gaulle qui voyait très loin avait décidé d'envoyer des, entre guillemets, déserteurs, mais avec un billet payé par l'armée française. Ils ont rejoint effectivement les bases tunisiennes au Maroc et ils se sont retrouvés, alhamdoulilah, puisque la révolution avait besoin de gens former des Algériens naïvement. Donc, on leur a confié des fonctions d'instructeurs. Ces gens-là donc, ont réussi à intégrer et à entrer des frontières pour combattre l'armée de libération nationale. Et ces gens-là donc, ont réussi à prendre pied dans l'armée et à la diriger, au point où l'un d'entre eux est devenu chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Ma'al Assis. Ça nous rappelle une certaine histoire islamique, un certain Talib qui est devenu calife. Mais en fait, on ne va pas polémiquer sur ça, on revient à l'essentiel.
le lendemain, enfin, il m'avait dit donc de, il m'avait informé. Ça, je peux le dire parce que c'est important pour notre débat. Il m'avait informé que il avait rencontré à Madrid aussi bien Simhri que le FFS, je crois qu'il m'avait parlé de Aïd Ahmed. Je le dis, s'il m'entend, je voudrais bien qu'il qu'il corrige si ce n'est pas le cas. Mais en fait, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, nous avons trouvé un consensus pour une trêve. Et j'ai rencontré un certain nombre, avant de venir, j'ai discuté avec Abbasi Madani et Belhaj qui étaient dans, en prison à Blida. Et sur le principe, Abbasi Madani était d'accord. Quant à Ali Belhaj, il avait posé comme condition que des gens à l'extérieur, je pense qu'il, si je me, ma mémoire ne me trompe pas, c'était Zawi, un certain nombre de personnes à l'extérieur qui devaient donner leur accord. Alors, je vous arrête ici, Silhaj, parce que c'est très, très important. Je voudrais attirer l'attention de nos téléspectateurs sur ce que vous êtes en train de dire, parce qu'il semble que ce soit là le motif qui a entraîné son assassinat. Ça veut dire qu'il est venu vous dire, il vous a confié qu'il était sur une dynamique de trêve qui allait bientôt aboutir entre les dirigeants du FIS et certains tenants du pouvoir algérien, et que c'était en cours. Or, c'est ça qui allait déclencher ce qui allait suivre, et je vous laisse poursuivre. Oui, donc, bon, on a bien discuté, et il m'avait dit, je dois partir en Suisse et rencontrer ces gens-là. Il m'avait effectivement demandé si je pouvais partir avec mon cousin Rachid Ben Aïssa, qui était à ce moment-là à l'UNESCO. Est-ce que nous pouvions l'accompagner? Rachid ne pouvait pas l'accompagner pour des raisons autres, qui étaient liées à, son, à ce qu'il faisait à l'UNESCO. Et quant à moi, j'avais des obligations professionnelles. En fait, je subissais un contrôle fiscal. Donc, je ne pouvais pas tellement bouger, surtout pour aller en Suisse. Mais simplement, je lui ai dit, je vais réfléchir et demain, on en parle. Puis, il m'avait demandé donc de l'accompagner à son hôtel. Et je le dis, il a, c'était à côté de Montparnasse, un deux étoiles que je fais. Et c'est moi qui prenais en charge parce que ce n'était pas quelqu'un qui roulait sur, sur l'argent. Vous prenez en charge ses frais d'hébergement et de... Prenez en charge ses frais d'hébergement, oui. Merci de le dire. Merci de le dire, non, c'est important. Je le dis parce que il faut dire certaines choses pour que les gens ne confondent pas avec les corrompus d'aujourd'hui. Oui, c'est très juste. Ouais. Donc, le lendemain, donc, je suis allé le prendre à l'aéroport. Et quand nous sommes arrivés à l'aéroport, il avait insisté. Il m'avait dit, il faut que tu m'accompagnes. Je lui ai dit, je ne peux pas me permettre de t'accompagner parce que... Il m'a dit, non, toi, tu connais les gens là-bas, parce que certains d'entre eux... mais sans me citer aucun nom. Il m'a dit, mais eux te connaissent et toi, tu les connais. Je lui ai dit, je m'excuse, je ne pourrais pas. Sinon, je vais avoir des problèmes avec le fisc. Donc, au moment où il est entré, donc, il est ressorti. Il a demandé l'autorisation donc, à la PAF française de lui permettre de ressortir. Et à ce moment-là, il m'a serré et il m'a demandé, attention, j'ai vraiment peur. J'ai l'impression que cette mission que je suis en train de faire à la demande expresse du président à ce moment-là, il était ministre de la Défense, Zerouel, de M. Zerouel, du général Zerouel. Il m'a dit, je risque d'avoir des problèmes et peut-être de perdre ma vie. Parce que la trêve dérange le Hizb français. Il y a des gens qui n'ont pas intérêt du tout à ce que la paix revienne. La paix revient. Il m'a dit, puis là, il m'a serré, promets-moi, il pleurait,
promets-moi que si quelque chose m'arrive, tu t'occupes de mon fils. Hélas, son fils va mourir avec. Et à ce moment-là, il me donne un numéro de téléphone. Il me donne un numéro de téléphone, il me dit, quand est-ce que tu rentres à Alger? Je lui dis, en principe, moi je rentre du 15 août au 15. Il me dit, non, tu reportes et tu viens, et il me donne un numéro de téléphone, il m'a dit, surtout ne l'utilise pas avant telle date. Je lui dis, d'accord. Mais il m'a fixé quand même une date, et il me dit, à partir de telle date, tu m'appelles. Et tu viens en famille, je voudrais que nos enfants se connaissent un peu mieux et vous allez passer un mois chez moi à Alger Plage. Je lui dis, Inch'Allah. Et là, moi, j'étais choqué. Il me dit, ma vie est en danger. Je lui dis, comment, toi, ta vie, toi, il me dit, j'ai peur d'une personne. En particulier, la Marie. Sauf que moi, à ce moment-là, je ne savais pas qu'il y avait deux la Marie, Ismaïl et Mohamed. Donc, je ne pouvais pas. Ah, il ne vous a pas dit lequel des deux? Non, parce que moi, pour lui, la seule chose dont je me rappelle, il me dit la personne dont j'ai le plus peur, c'est la Marie. Oui. Il me dit c'est un agent. Oui. Bon, quelques temps après, quelqu'un d'autre me dira. Mais il m'expliquera, un de ses proches qui l'accompagnait quand il venait chez moi, okay. Un commandant de la sécurité. Restez avec nous, Silhaj Abdelmajid. Je reviens à vous pour continuer sur cette discussion très, très intéressante. Je vous en remercie. Nous allons regarder les images que vous avez promises tout à l'heure. Vous allez voir, dans un premier temps, Abdou Benjoudi, qui interpelle le général Nazar, et à côté de lui, justement, Abdelrazak Laibi, qui l'interpelle aussi, dont on n'entendra que la voix. Et dans une deuxième partie, vous verrez Abdelrazak Laibi interpeller quelqu'un d'autre qui faisait partie de ces gens qui avaient pris le pouvoir en 92. Pourquoi je vous mets, vous, M. Khaled Nazar, et pas mal de généraux, ouais, que parfois je les appelle les assassins, il y en a pas mal, ouais, et les islamistes intégristes, ouais, vous êtes responsables de ce que nous vivons aujourd'hui, et l'armée, et les généraux, et les islamistes assassins, vous êtes tous, non, parce que vous êtes responsables de cette crise. Laissez-moi vous dire, reconnaissez cette crise. Moi j'ai quelque chose à dire. Là, attendez, moi j'ai quelque chose à dire. Non, si c'est pas les généraux aujourd'hui, c'est un état. Avec 300 000 morts, avec 300 000 morts, des dizaines de milliers de veuves et d'orphelins. 300 000 morts, 25 000 disparus. Arrêtez. Non, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, je ne peux pas dire si j'ai eu tort ou j'ai eu raison. Vous allez tous mourir, excusez-moi, mais vous allez tous mourir. Vous n'avez rien. Attendez. Vous ne pouvez pas me reprocher à moi d'avoir été ici et d'avoir consacré pour mon bien une certaine partie lorsque j'ai vécu au point de lui. Je ne reconnaissais aucune responsabilité. C'est moi. Ni dans l'assassinat de 500 personnes en 88, ni l'assassinat de Modiaf, ni les 200 000 morts qui sont partis. Aucune responsabilité. Mais c'est pas à vous de faire l'histoire maintenant. Non, je vous demande. Non, vous ne me faites pas l'histoire. L'histoire se fera demain. Non, je vous dis l'histoire. Moi, j'ai écrit. C'était un ancien responsable. Oui, et j'ai dit exactement comment j'ai agi. Je n'ai
dit. De A à Z, j'ai dit exactement ce qui s'est passé. Maintenant, que vous soyez d'accord. Par exemple, dites-nous, même si ce n'est pas vous, dites-nous qui est ce général, qui sont ces gens puissants qui sont en train de cacher la vérité sur les disparus. Personne ne cachera. Personne. Il y a des familles, monsieur Nzar, il y a des familles. Vous avez certainement des enfants. On n'a trop parlé. Personne ne cachera. Il y a des milliers de disparus. Vous êtes jeunes, vous écrivez une histoire. Mais on est en train de la chercher. Faites-la. Dites-nous où sont ces disparus. Mais moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Tout ce que vous aviez à dire. Oui, tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit. نتوما اللي لحقتوها لا احنا مسؤولين نتوما المسؤولين نتوما ما درتو والو درنا والو حنايا احنا ضيعتوا لنا لا جينيس تاعنا احنا ضيعنا الاستقلال لا جبتوا والو واش بالاستقلال فرنسا اللي راهي تحكم استقلال كاين الاستقلال الي هو الاستقلال هولون تغنوا له دي شونسون تلمسال فولي اوفري دي فولي اوفري دي دي شيفو واش من الاستقلال وراه الاستقلال يا ودي فو نو زافي با ريسبكتي بور كون فو ريسبكت 250 000 morts C'est un arrêt, oui. Démocratique. C'est un arrêt. Ben, alors, c'est un arrêt. Dites-le. Oui, à tout. Un déserteur de l'armée française, je suis le roi Merbah et vous allez payer. Et Vous allez payer. وراه بوضياف تعرف ملي ما تخرجوش للزنقه والله غير ملي هو بوضياف متيمات خيال راه كي الغيران بون دو تيت غير تولي وتخمو كوم ديرا يا ولادي مدام مدام سي بون مدام لو كان يخرج عميروش الكولونيل عميروش يخلقك الكولونيل عميروش الكولونيل عميروش خيال بون دو تيت هذا خالي هربوا من فران هذا كملتو لي ساميتين خباش عبد الرزاق علوي quelle colère très franchement les Algériens vont être surpris par une telle en plus moi j'imagine que les barons du régime qui sont impliqués dans cette atroce décennie dans ce qu'ils ont fait de ce pays, ils ne vont pas dormir tranquilles, parce qu'ils savent que sous les cendres de l'indifférence, la colère couve toujours. Mais pourquoi cet homme en particulier, Abdelazak ? Non, je vous corrige. Ali Haroun est venu se recueillir sur la tombe du Moudahad Sibn Tobel, Allah yarhamou, et c'était juste en face. Vous savez que M. Boutoubet est mort le 21 août. Oui. Et bon, nous avions terminé la commémoration et nous étions en train de discuter, Jamel Ali Lesh, Aïcha Zitouni et moi-même. Revenez un peu en arrière, Abdelazak, pour qu'on vous voit mieux. Pardon ? Revenez, voilà, un peu en arrière. Très bien. Je vous en prie, pardon de vous avoir interrompu. Écoutez, nous étions en train de discuter, Jamel Ali Lesh, Aïcha Zitouni et moi-même, et j'ai vu Ali Haroun venir vers le carré des martyrs. Bon, il était du côté du carré où sont enterrés les présidents et les shuhada, et il venait vers le carré des martyrs où nous étions. Et à un moment donné, il s'est retourné chez son accompagnateur, Khalo, les Merbah sont partis. Bon, je l'ai apostrophé juste à la première marche. Qu'est-ce que monsieur Haroun a dit oui. Est-ce que le halat al-blad aujourd'hui est ajbatek? Est-ce que le halat al-blad ajbatek? Oui, aujourd'hui. Non. Et bien, de là La discussion avait commencé et à un moment donné, il m'a pris de haut. D'ailleurs, vous l'entendez sur la vidéo, Dar l'accompagnateur Théo, elle nous laisse le parler, il est parti. Oui, oui.
Et là, ça m'a vraiment travaillé. Oui. Là, je l'ai suivi, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Et voilà. Mais Abdelrazak, vous pensez que Ali Haroun est impliqué dans ces affaires, dans l'assassinat de Bodiaf, dans la mort de Qazi Merbah? Ils sont tous impliqués, Sidi Jamaldine. Oui. Ils sont tous impliqués, tous. Tous ceux qui ont occupé des postes de responsabilité à cette époque sont impliqués. Tous, sans exception. Ça veut dire celui qui n'a pas participé, il savait. Subhanallah al-Azim. Il savait qu'il y avait un bâtel. Des gens se faisaient assassiner. Des gens se sont fait interner dans les camps du Sud. Ou Hakdek, ils ont accepté des postes, ils ont marché dans la combine. Et Ali Haroun était ministre des droits de l'homme à un moment où la torture faisait des ravages, où les gens étaient internés dans des camps, etc. Et Ali Haroun, Maître Vergès, lui a trouvé la potiche. Ah bon, vous nous l'apprenez. Oui, dans un de ses livres, je ne me rappelle plus du titre, je vous le dirai plus tard. La potiche. Oui, c'est tout dire, c'est tout dire. Mais ou Bodiaf, Bodiaf, je compte Jabou. Oui, c'est Ali Haroun. Eh, ou Kachma, ils demandent la vérité pour Bodiaf. Oui. Là, ils se cachent tous derrière l'histoire. L'histoire vous le dira. Non, je regrette. N'char'oukoum hnaya, et l'histoire dira que char'nakoum. C'est à nous de faire l'histoire. Mais tirouhash houma kima yahabou. Abdelrazak, tout à l'heure, l'Hajj Abdelmajid Daïd Saadi nous a rapporté une discussion qu'il a eue avec votre oncle, Rabbi Rahmou, Qazi Merbah, où il lui disait qu'il était dans une dynamique de trêve, qu'il avait réussi à convaincre les leaders du fils d'un côté et des dirigeants du pouvoir de l'autre d'aller Absolument. Vers une solution négociée et que ça marchait. Et exactement, et, ce, et cela nous a été dit par Sidi Merbah en personne, le 20 août 93, dès son retour de Suisse. C'est-à-dire un jour avant sa mort? À un jour avant son assassinat. Il est revenu le 20 août de Suisse, le lendemain il a été assassiné. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Et il nous a dit que c'était dans la très très bonne voie. Et que d'ici le mois de décembre, tout allait rentrer dans l'ordre. Et que la paix allait revenir. Absolument. Et qui sont ces gens que la paix n'intéressait pas et qui voulaient que la violence continue au point d'assassiner un médiateur qui allait ramener la paix à ce pays? Li ba'ou l'blad, c'est Ben Chenouf. Oui. Li ba'ou l'blad, li l'hqouna l'nhar l'youm. Mais encore, des noms. Ah, des noms, tout le monde le dit. Smaïn l'Amari, Bachir Tartag. Nous avons demandé, parce que vous savez, nous avons un document écrit de la main de Sidi Merbah en personne, où il est mentionné 14h, Zarouel m'a appelé et m'a demandé d'approfondir les contacts avec les dirigeants du fils. Zarouel, c'est beaucoup de choses, il doit parler. Chacun doit apporter son concours. Mais Abdelrazak, pour en arriver, d'abord, Tartag à l'époque, il n'était qu'un sous-fifre, il me semble. Ce n'était pas encore un décideur. Oui, mais c'était l'homme à tout faire. Oui. Alors, pour en revenir à... C'est pour ça qu'il occupe un poste pareil aujourd'hui. Voilà. Mais pour, on reviendra peut-être sur lui tout à l'heure. Mais sinon, pour ce qui est de Zarwal, donc d'après Qazi Merbah, c'est Zarwal qui l'aurait missionné, qui lui aurait demandé de jouer ce rôle de médiateur. Je me rappelle qu'en 93, nous avons reçu la visite de Cheikh Slimani Allah yarhamou de Médéa, qui était venu rendre visite à Sidi Merbah au siège du Majd. Et c'est là qu'il avait demandé, il a demandé à Sidi Merbah d'être l'intermédiaire entre le Front islamique du salut et le pouvoir. Le pouvoir et les généraux. Et de là, les contacts ont commencé. Mais Abdelrazak, un certain moment, il me semble, je ne suis pas très sûr que vous m'aviez dit que vous aviez vous-même rencontré Zarwal
Vous avez l'occasion? Non. Zarwell, je ne l'ai pas rencontré. Zarwell, j'ai été le voir à Betna. Ah, voilà. Oui, j'ai été le voir à Betna. Apparemment, il n'était pas chez lui. J'ai laissé un mot. Voilà, c'est ce que vous m'aviez dit, exactement. Et donc, vous n'avez pas envie de l'interpeller pour lui demander d'assumer cette mission qu'il avait confiée à Qasdi Merbeh, de confirmer pour rendre justice à cet homme? Mais personne ne veut parler, Sidi Ahmeddine. Même les gens qui étaient en Suisse, les gens que Merbeh a rencontrés en Suisse, alors en MP, ils vous le disent, mais moi je le sais. Mais d'ailleurs, je leur ai demandé de le dire aux Algériens. Moi, je sais qu'il était en Suisse. Je sais qu'il l'a rencontré. Mais c'est à eux d'en parler. Mais personne n'en parle. Ils ont tous peur. Je ne sais pas ce qui se passe. Dites-nous des noms, quels qu'ils soient. Il a rencontré plein de monde. Par exemple Yassine Saadi. Je compte aller. Yassine Saadi devait venir à l'émission tout à l'heure. Mais il a une tante qui est malade, il s'est excusé, mais il voulait vraiment venir. Hein. Je le dis pour rétablir certaines... Sinon, réfléchissez à la question. Sinon, Abdelrazak, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose, et je poserai la question aussi à nos autres invités. Après 62, cet homme que vous avez interpellé, Ali Haroun, et les autres comme Reza Malek et d'autres aussi qui ont joué Jemaat, la peur doit changer de camp. Voilà. Mais d'après 62 jusqu'à l'interruption du processus électoral, quel a été leur rôle au sein du pouvoir, au sein du régime qui avait confisqué la victoire, qui avait volé l'indépendance à la vraie révolution? Vous parlez de Reza Malek, Ali Haroun et tous ces gens qui à certains moments ont été mis en façade, qui sont devenus la vitrine, j'allais dire, marketing des généraux putschistes. Oui, mais ils étaient inconnus à l'époque. Oui, mais ils ont joué des rôles quand même. Sincèrement, je ne pense pas. D'accord. Sincèrement, en 62, sincèrement, je ne pense pas. D'accord. Mais Ali Haroun, par exemple, il était très, très actif dans la fameuse... amical des Algériens en France, en Europe, lui qui était passé de la Fédération de France au contrôle de l'immigration. Mais nous y reviendrons, Abdelrazak. Yahya Bounouar, merci d'être avec nous encore une fois, Yahya. Merci à vous de m'inviter. Merci. Alors Yahya, votre sentiment sur cette commémoration, sur l'assassinat de Qasdi Merbeh, dont... On vient de nous dire, son neveu et son ami nous confirment qu'il a été assassiné à la suite d'une mission qui lui avait été confiée par le président Zarwal d'essayer de trouver les voies et moyens pour parvenir à une trêve et que c'était en bonne voie et que ça allait marcher et que donc ce que cela n'arrangeait pas et qui avait instrumenté la violence, qu'il avait mis en place et ça les dérangeait, donc ils ont été... En quelque sorte, ils ont coupé la tête de la dynamique de l'initiative. Qu'est-ce que vous en pensez, Yahya? Ben écoutez, ces informations, moi je les connais depuis 1993. Qasdi Merbeh avait fait une tournée en Europe, qui avait l'Espagne, la France, la Suisse, avait rencontré de nombreux opposants et était rentré en Algérie le 20. Et devait rencontrer Zarwell le 21 pour lui dire où en étaient les discussions. Il était optimiste et il pensait sérieusement que ça pouvait aboutir. Il n'a jamais rencontré Zarwell puisqu'il a été tué à la sortie de chez lui avant d'aller voir Zarwell. Ce qu'on sait également, et je comprends que le neveu de Qasdi Merbeh ne puisse pas citer des noms, que Smaïl Ammari et le général Toufir, parce que Smaïl Ammari ne prenait pas des décisions tout seul. Donc le général Toufir, Smaïl Ammari et le capitaine de l'époque, Tartak, qui est aujourd'hui conseiller à la présidence de la République. Donc Smaïl Ammari et Tartak ont participé physiquement à l'exécution et l'assassinat de Qasdi Merbeh.
parce qu'il ne voulait pas de réconciliation politique, il ne voulait pas de solution politique, et ils ont réussi, quelques années après, à faire démissionner Zewel, et ils ont fait leur réconciliation entre tueurs. Tueurs d'un côté, assassinat, torture massive des dizaines de milliers d'Algériens, des dizaines de milliers d'Algériens disparus, et entre, de l'autre côté, des terroristes qui égorgeaient des enfants, les femmes et les bébés. Ils ne voulaient pas d'une solution politique, ils ont trouvé une solution entre tueurs. On absout tes crimes, tu absous mes crimes, ou le crime est là. Voilà ce qui a été fait. Ils ont empêché Zewel de le faire en assassinant d'abord Qasdim Rebah, puis ensuite en obligeant Zewel à démissionner parce qu'il avait entamé des discussions sérieuses à partir de 1996. Il a même fait libérer Abbasi Madani Ali Ben Hajj de prison, les a placés en résidence à Alger, et les discussions étaient très avancées, et ils ont bloqué ce processus et ont fait démissionner Zewel pour faire ce qu'ils ont fait. Donc clairement, moi je défends pas Qasdim Rebah, mais je dis que Qasdim Rebah a été assassiné par le général Toufir, le général Smaïl Ammari et l'actuel général-major conseiller de Bouteflika, Bachir Tartag. Ces deux derniers, Ammari et Tartag, étaient présents physiquement au moment de l'assassinat de Qasdim Rebah. Tout le monde le sait. Je comprends que les gens ne veulent pas citer les noms parce qu'ils ont peur. Mais c'est la réalité et on doit la dire. Vous dites que Tartag et Ammar et Smaïn étaient présents sur les lieux de l'assassinat. Physiquement, oui, je le dis et je le répète. Et le neveu de Qasdim Rebah le sait très bien, mais je comprends absolument qu'il ne puisse pas le dire pour des raisons. Moi, je suis en France, lui, il est en Algérie. Bien sûr qu'ils étaient présents et la décision est venue avec l'accord du général Toufir, qui est toujours le chef du DRS. Et tout ça est connu en Algérie. Tout ça et tout le monde sait que Qasdim Rebah avait effectué une grande avancée dans une solution politique dans sa tournée européenne et qu'il était venu pour la proposer à Zewel, qui Zewel lui-même était pour une solution politique. D'ailleurs, il a été dégagé par cela même quelques années après. Ils ont bloqué et saboté toutes les discussions politiques pour arriver à un accord entre criminels d'un côté et de l'autre. On absout vos crimes et c'est fini. Est-ce qu'ils parlent de réconciliation nationale? Est-ce que vous avez vu une seule famille algérienne réconciliée avec ceux qui ont tué leur fils ou leur mari? Rien du tout. La réconciliation, c'est entre les tueurs des deux côtés. Yahya Bonnoir, merci infiniment. Je suis désolé de ne pas pouvoir revenir sur l'Hajj Abdelmajid Aït Saadi et sur Abdelrazak Laibi, malheureusement. C'est un impératif de temps. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci à eux trois d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. Salam alaikum. Qawala khair. Salam. Je me suis trop aussi. On m'a fait ça.